Aime les spectacles. Et elle-même. Pourquoi elle essaie de nuire à son fan club ? Mais pourquoi tu me laisses jamais être moi-même ? Tu m'avais pas dit que vous alliez projeter le théâtre dans les airs. Et tu m'avais caché l'histoire des explosifs. Mais tu comprends rien. On fait passer un message, là. Non mais, pour dire quoi ? Je pense pas que tu sois faite pour les Inks, Red. Tu devrais sûrement te trouver une autre bande. Et un nouveau copain. Je devrais peut-être les laisser tranquilles. Ah!
C'est un très grand théâtre. Yeah.
Ça doit être le rêve de Jinx. Désolé, Echo. Ici, c'est la zone VIG. Tu vas devoir dégager d'ici. J'aurais dû me douter que t'étais lié à tout ça. Tu plaisantes? J'ai jamais rien vu d'aussi bâclé! Mais j'aurais jamais pensé que t'étais du genre à déléguer le sale boulot. Hé hé, oh, calme ton charme, Minus! J'ai rien à voir avec cette bande de copieurs! Ils me volent mes idées! Je suis juste venue m'assurer qu'ils arrêtent de se prendre pour moi! Tu vas pas me dire que t'aimes pas voir tous ces feux d'artifice s'envoler, peut-être? Ha! Bien sûr! Mais à qui revient tout le mérite? Je vais séparer cette satanée bande et leur offrir un petit relooking. Quelque chose de bien... canon! Je te laisserai pas leur faire du mal, Jinx. Ah, si tu le dis, Echo. Oh, et si on demandait son avis à Bang Bang? Bouge pas de là! Des copains! Oh. Choc 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 choc.
pas aussi barbant que je le pensais. On aurait dû se battre plus tôt que ça. Mouais. Je préférais quand on se voyait pas. Dans ce cas, j'ai hâte de ne plus jamais te revoir après t'avoir explosé. Mâcheur Saint-Ixie, où est-ce que t'as eu ça? J'ai croisé des jumeaux qui me les ont donnés en échange d'un petit boulot. Ils voulaient que je fasse distraction pendant qu'ils pillaient un manoir, je crois. Drake et Val? Ouais, c'est ça! J'ai refusé, mais je leur ai piqué une caisse de ces jolies bombes. Tu veux les voir de plus près? Thank you.
si bien. Nous n'avons pas encore fini. As-tu un moyen de contacter Echo du futur ? Ouais. J'ai une idée. Echo du futur ! Je suis au théâtre Fenlox et Camille m'a retrouvée. Elle est furieuse à propos du Saint-Ixi. Elle m'accuse de l'avoir laissé filer. Ses lames sont à deux doigts de... Qu'est-ce qui se passe ici ? Je savais que si ma vie était en danger, la tienne le serait aussi. T'aurais pas dû nous trahir. Je te suggère de te mettre à table, Echo du futur. Puisque tu sais qui je suppose que tu connais mes méthodes d'obtention d'informations. Une guerre se prépare. C'est ça que tu voulais entendre ? Piltover sera détruite et transformée en poussière dorée. Et moi, j'essaie de sauver les deux villes d'un futur désastreux. T'oublies un petit détail. Il construit une bombe avec le Saint-Ixi des points d'Estre. Pour faire exploser Piltover ? C'est pour détruire le Saint-Ixi et les cristaux Extec. C'est là l'origine du conflit. Une partie de Piltover et de Zone sera affectée par l'explosion, c'est vrai. Mais c'est le seul moyen d'empêcher la guerre. Ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir d'autres moyens. Vous croyez que j'ai pas essayé ? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que moi ? Il me manque qu'un peu de Saint-Ixi pour mettre un terme à tout ceci une bonne fois pour toutes. Il n'a pas encore assez de Saint-Ixi. Nous avons encore une chance. Je dois d'abord retourner à la planque et réparer mon équipement. Ensuite, je trouverai où est la dernière cage de Saint-Ixi et je l'arrêterai. Vous devriez venir. Dans ton... clubhouse ? On y sera en sécurité et on pourra mettre en commun ce qu'on sait. Très bien. J'accepte ton invitation. Que penses-tu de ton futur, toi ? Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer son destin. Il me cache beaucoup de choses. Peut-être qu'il pense te protéger. Les hommes deviennent fous lorsqu'ils apprennent leur destin. À qui le dites-vous ? Mon destin est d'être un voyageur temporel qui veut tout régenter, apparemment. Pourquoi avait-il besoin de toi et pourquoi t'a-t-il demandé de l'aide ? Je dois être la seule personne en qui il a confiance. Lui-même. Je pensais plus à ta clepsydre, Zéro. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres voyageurs temporels avec ce genre d'engin. Et il reste le problème des cristaux Saint-Ixi. Il semble qu'ils existent en grande quantité dans la zone du futur. Peut-être même à Piltover. Les tensions vont faire que se renforcer entre les deux villes. Sans parler des blessés. Exactement. Et notre économie n'a pas lieu d'être si tout le monde est mort. Ça vous embête si je passe voir quelques personnes ? Pas du tout. Je vais... jeter un coup d'œil aux marchandises locales. Thank you.
Hey ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Piltover n'a pas beaucoup changé depuis mon départ. Certaines choses ne changent jamais. Camille du clan Féroce. Bon sang, je ne m'attendais pas à rencontrer cette femme en personne. Et apparemment, toi non plus. Mais... je suis ravi de voir que tu fais confiance à quelqu'un d'autre que toi, Echo. J'ai appris à ne pas juger les autres trop rapidement. Ils peuvent se montrer plein de ressources. J'espère vous revoir un jour à Piltover, Monsieur Révèque. Vous et vos créations. Ma fille m'accompagnera peut-être. Oriana t'apprécierait beaucoup. Voilà des retrouvailles qui font envie. Je vous laisse rattraper le temps perdu. Prenez les escaliers quand vous êtes prête à aller à la planque. Bonne chance. Quoi que vous fassiez. Un autre jour à zone. Je vais dire à tes parents à quel point tu es un gentil garçon. Ellie, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la ville récemment. T'as un coin préféré à Zone ? Bonne question. Je dirais... la foire Auguste. Ma mère nous y emmenait avec ma sœur. On faisait des tours de manège, et on gagnait des trucs. Qu'est-ce qui s'y trouve maintenant ? Maintenant que tu le dis ? C'est fermé depuis longtemps. J'ai entendu dire que c'était une décharge. Ou une prison ! Pour des expériences scientifiques qui ont mal tourné. Entre à tes risques et périls. Ce qu'il y a de bien avec la science, Ellie, c'est que si tu fais pas partie de la solution, t'es dans le précipité. T'as compris? Ne refais jamais cette blague, d'accord? D'accord. À plus tard, Ellie. Tu ne vas pas te balader avec ça, non? Zone est un podium. Le style est important. Y a aucun mal à se refaire une beauté. La planque est secrète, compris? Tu parles à une spécialiste des renseignements, tu te souviens? Je reviens. Un génie n'a jamais fini de vrai. Quelque chose dans ce goût-là. Echo, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Je répare l'usure d'horlogerie habituelle. Cool, journée chargée? J'arrête pas. On devrait se faire un truc tous ensemble. Vous me manquez. Oh, on devrait grimper en haut de la tour d'horloge. La tour d'horloge? Les points d'Estre ont construit la plus grande tour d'horloge possible. J'espère qu'elle est plus stable que la flèche. Ah, j'espère aussi. À bientôt, Lem. On part construire?
Bangs. T'as vraiment fait entrer une Pilto ici? Qu'est-ce qui tourne par rond chez toi? Écoute, elle en a rien à faire de ce qu'une bande d'ados de zone bricole. On essaie d'empêcher une sérieuse catastrophe pour la ville. Et j'aurais aussi besoin de ton aide. Très bien. Qu'est-ce qu'il te faut? Bon, disons que tu te bats contre quelqu'un qui est... toi. Les mêmes tactiques et la même façon de penser. Comment faire pour le battre? Sérieusement? Si vous avez les mêmes forces, vous avez sans doute aussi les mêmes faiblesses, pas vrai? Ouais. Ah, d'accord. C'est une bonne piste. Nous en avons tous, Echo. Ton premier combat, c'est contre toi-même. C'est rien de le dire. Merci, Rungs. Bon. Quoi de neuf? Ah, est-ce que tout va bien? Bien sûr. Pourquoi ça irait pas? T'as ramené une femme super effrayante. Est-ce que c'est Camille? La Camille du clan Féroce? Ah, oui. Enfin, non, mais elle est cool. Elle m'aide pour un truc. D'accord, Echo. Sois prudent. T'inquiète. Mais tu sais, j'en apprends bien plus sur le monde depuis que j'écoute ce que disent vraiment les autres. Je m'entends avec beaucoup de monde. C'est surprenant. T'as pas tort. J'aimerais peut-être me faire des amis à Piltover, moi aussi. On sait jamais. La vie est pleine de surprises. Jinx traîne plus à Piltover qu'à Zone. Tant mieux pour nous. Piltover et Zone. Il y a un paquet d'histoires entre elles.
Salut, Echo. Joli dégaine, Echo. Je peux t'aider? Hmph! Hmph!